Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est bon, je suis de retour, me revoilà. Et aujourd'hui, on va s'essayer sur Coxyban, un jeu gratuit sur Steam, le tout premier jeu développé, édité par Amazon, tout simplement. C'est une sorte de TPS où il faut PvP, PvE, vous allez voir, c'est un peu spécial. Il est sorti il y a quelques jours maintenant, il y a 3-4 jours à l'heure où je fais la vidéo. J'ai fait une partie, j'ai joué qu'une demi-heure. Et je voulais faire un 100% gameplay. Donc je rappelle le concept du 100% gameplay. Je vais faire une game sans montage, sans cut, sans rien, pour vous montrer vraiment à quoi ressemble une game de A à Z. On va faire vite fait le tour des lieux. Donc on a un menu classique, voilà, un petit menu classique. Collection, donc là je pense que c'est les différents héros qu'il y a pour l'instant, hein. Donc il y en a pas mal. Ça me fait penser légèrement à Apex pour le coup, pour ce personnage-là. C'est quand même tiré de pas mal d'autres jeux vidéo, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Ça, c'est les icônes classiques qu'on peut retrouver selon les. Le Battle Pass, hein, un classique maintenant dans les jeux vidéo, messieurs, dames, attention. Le store. Donc pareil, un store classique. Donc, on peut inviter des amis. Voilà, moi, personne n'y joue parce que tout le monde a du goût. Alors, Harbor, c'est quoi ça? Donc là, à mon avis, il y a plusieurs. Ah, donc là, il y avait plusieurs modes de jeu. Alors, partie 4, partie 1, Alpha Hunter, toi et ton ami doivent aller chasser ensemble. On va faire le mode classique comme ça, là. Alors, on va prendre le héros que j'ai, celui-ci. Je sais pas s'il y a une sorte de sniper. Il serait bien un petit sniper, là. Alors, je ne connais pas. Dès qu'il y en a qui vont regarder la vidéo, qui vont... Ah, donc le jeu est gratuit, donc si vous voulez le tester, il n'y a pas de souci. Bon, on va prendre lui. Ah, attends, c'est quoi ça? On peut changer les trucs. D'accord. Ouais. Ouais, on va prendre ça, allez, on va essayer ça. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu le délire. Si vous êtes, si vous n'avez pas une grosse connexion, vous êtes hésitant à prendre, à lancer dans un téléchargement infini ce jeu, bah au moins vous aurez tombé sur des vidéos. Donc pendant le chargement. Je vous rappelle que maintenant je suis un peu plus actif sur Twitch, donc vous retrouvez la chaîne Twitch dans la description. Il faut me follow. Mais aussi, ça fait plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je suis en perpétuelle évolution. J'essaye d'innover, de faire des choses un peu voilà, originales. Donc abonnez-vous, donnez-moi vos avis sur les commentaires, dites-moi ce que je dois améliorer, etc. Je suis totalement ouvert d'esprit si l'argument est constructif. Voilà. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Twitter, Instagram, je suis pas fan, mais si vous voulez, allez-y, abonnez-vous. Ça, les amis, je vais pas vous faire chier avec ça, parce que je suis pas actif. Et puis sur Instagram, c'est que mon chien, et sur Twitter, c'est pour gueuler. Donc voilà. Combien de temps on va mettre pour trouver une game? Bah, longtemps peut-être, parce que je sais même pas s'il y a encore du monde sur ce jeu. On va voir ensemble là en direct. Alors, regardez, je prends mon téléphone, je vais aller sur SteamDB. Tac, favori. Et où c'est con? Tac, SteamDB. Tac, il reste combien de joueurs? Attention. Ah si, il y a 3500 joueurs connectés actuellement. Bon. Ah. Donc ça devrait trouver une game. Voilà. Là, au moment où je parle. Quelque chose. Bon, on va vous montrer un peu le gameplay. Déjà, on était à 3 contre 5. Quand on a lancé la game, on était que 3 joueurs. En face, il y avait 5 joueurs. Donc, on s'est fait logiquement défoncer. Et j'avais rage quit, je crois. Ça me saoule. Alors, donc là, sont 4. Nous aussi, on est 4. Apparemment, on peut pas prendre deux fois le même héros dans la même équipe. Voilà, donc là ça nous montre un peu les spécificités. Donc là on peut encore changer notre stuff. Moi j'y connais pas grand chose, donc je vais prendre ce qu'il y a de base. On va prendre ça, tiens, on va prendre l'autogun, on va voir. Voilà. Donc le match prévu dans 3 secondes. On va voir ensemble. Alors, you are will be choice drop. Il faut choisir un endroit. Donc j'ai un chef d'équipe qui a choisi à ma place. Et ce qui serait le plus intelligent. Ouais, on va un peu ça. On a déjà commencé. Donc là, en termes de graphisme, je suis à quoi là?
Mamie en élevé partout, je suis en maximum. Alors le but, ah bah je sais pas trop. Ça lag pas mal. Hein. Le but du jeu, ça va être, je crois, bah c'est une sorte de, il va falloir qu'on saute sur la gueule, hein, ce que j'ai compris. Qu'on aille choisir, faut qu'on aille faire des objectifs. Ici par exemple, je pense. Je pense qu'il va falloir qu'on collecte des ressources, qu'on aille faire capturer des objectifs. Et puis tu dois avoir un temps imparti. Non, il n'y a pas de temps imparti. Ouais, donc ça va ressembler un peu à du. Un peu clic droit à viser, à du Apex, un peu du Gear of War au niveau de la visée. C'est classique. Un peu facile, même, je dirais. Tac. Donc il n'y a pas de chat vocal encore dans le jeu, pas de chat textuel. Ça, c'est débile. Ça, je sais que c'est pour se guérir. Voilà. On va tester un peu les. Ah, celui-là, oui, c'est ça qu'il faut ramasser. Il s'appelle ça de l'essence, apparemment. Voilà. Là, celui-là, on est en pleine phase farming pour l'instant, à ce que je comprends. Et alors, à mon avis, ils sont déjà en PVP avec les autres. Et ils sont partis au contact direct, en fait. Pas les couilles. Ça se trouve, j'ai suivi la mauvaise personne. Pardon. Ça rien, un peu de Covid qui restant. Ça a passé. Donc je pense qu'ils ont besoin d'aide. On va aller voir ce qu'ils ont. On va aller au cac, hein, de toute façon, directement. De toute façon, autant qu'à crever. Ils sont où les méchants? Ouais, d'accord, ça c'est des méchants. Ouais. T'es les méchants, t'es pas les gentils. Alors, je sais pas si c'est un méchant ou. Ah, je suis mort. C'est dans du bac, les copains. Et select spawn. Ouais, je vais bien sélectionner une position. Ah, donc en fait, oui, d'accord, c'est. Ah, ok, j'ai compris. A, B, C, D, E. Donc il y a des points capturés, tout simplement. C'est bête parce qu'il y a 5 points, il y a 5 joueurs. Il faudrait faire du 16 contre 16. Ça serait plus intense. Comment ça va venir plus tard? Ça me paraît logique. Là, j'ai choisi un spawn. J'ai une arme qui fait pas de dégâts, apparemment. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Donc, tech, on est totalement tous séparés, c'est ce que j'ai compris. Donc là, je suis sur le point A. Donc, je vais capturer. On va voir. Hein. Capturer. Voilà, donc là, j'ai un point. Donc apparemment, on a... Voilà, il faut... C'est quoi ça? Je suis tout seul, ouais, non, mais c'est mal fait en fait. Il n'y a clairement pas assez de joueurs. Je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je vais me mettre ici, mais... J'ai pas compris le but parce qu'on a capturé. On a 3 points sur 5, 1 point neutre et 1 point ennemi capturé. Je vais mettre là, on va essayer de jouer ensemble, hein, de toute façon, comme ça. Ouais, forcément, ils ont capturé un point. Y'a pas de logique en fait. À moins que c'est moi qui ai pas compris, hein. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous comprenez la logique de ce jeu. Mais là, j'ai pas compris. Parce qu'il y a clairement pas assez de joueurs pour la taille de la map. Ok, et touche numérique pour appeler les copains. Bah écoute, on va essayer de les suivre, on va voir ce que ça donne.
ça. En tout cas, graphiquement, il est correct, hein, on va pas se mentir, il est pas mal. Ah d'accord, ça c'est des pièges, donc on peut tirer sur les pièges. On va voir quelque chose. D'accord. Moi je l'ai ça aussi. J'ai ce truc là. Voilà, j'ai réussi à faire un kill, apparemment. C'est un miracle dans ce jeu, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est ça? Une protection. Il y a une demi-heure pour recharger. Non, moi je veux mon frag, je veux mon frag. Il est où? Oui, j'ai tué quelqu'un apparemment. Donc là j'ai un medic. En appuyant sur G, on peut se heal. En fait, on a une sorte de trousse d'outils. Putain, c'est quoi ça? Faut pas attaquer ça. Ça faut attaquer. Ouais, je sais pas si c'est un joueur ou pas, mais je pense que ça ressemble à un joueur. On va voir là. It's Gota. Ici, ici. Enemy nearby. Pas super bien fait. Hein. Pas super bien fait. Mais bon, c'est gratuit, hein, pourquoi pas, si vous aimez ce genre de jeu, un TPS. Je vous le conseille fortement, hein, on va essayer. On est à 1-0 pour l'instant. Il reste 1 minute 20 ou je sais pas ce qui. Parce que c'est ce qui reste. On se met sur la map là, on va voir, on est du côté D. Je fais un truc. Using a medkit. En fait, il faut fuir. Ouais. À part fuir, c'est tout ce qu'on peut faire, à ce que j'ai compris. Hein. On peut faire contre. Ouais, donc là, en fait, ça aurait été un jeu en 16 contre 16. Ouais, clairement. Clairement, ça aurait été un jeu plus intéressant. Là, ça ne l'est clairement pas. Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire du. Ouais, c'est 5 d'habitude, on peut jouer à 5, hein, je crois. Peut-être plus. En tout cas, j'ai pas vu plus pour l'instant. Les combats sont pas très dynamiques en fait, vu que les armes ne font pas de dégâts. Très peu. Il n'y a pas de chat vocal, je répète. Il n'y a pas tout ça. Donc, allez, on va essayer une dernière fois. Là, c'est un piège, si j'ai bien compris. Voilà. On est où là? Je sais même pas où je suis. On va capturer le dé. Allez, capturons le dé. Calling in support. Voilà, on a le dé. Tac. Quoi qu'on aille là. Hein. On a d'ailleurs, j'ai pas compris, mais on a d'ailleurs des objectifs qui arrivent sur la map aléatoirement. Et il faut genre y aller tout de suite quoi pour avoir le point. Et le premier arrive à 3 points, je pense à gagner. Ça doit être ça. Hein. Alors là, ici, là, il y a 1, 2, après je sais pas ce que c'est ça. Le cœur a été capturé. D'accord, donc là ils ont capturé un cœur.
Je pense qu'il faut l'attaquer, si on arrive à l'attaquer. Ouais, ma grenade qui fait aucun dégât. Ça, c'est... Encore tout seul. J'ai l'impression que je joue tout seul en fait. Ah ouais, clairement, hein, clairement, hein, je joue tout seul. Je vais me cacher là, voir. Je vais y retourner. Je vais y retourner, mais à mon avis, il doit y avoir quelque chose à faire avec ce cœur. Il doit y avoir des petits objectifs, quelque chose. Moi, je continue à farmer, hein, quoi qu'il arrive. You. Your hunters have captured a hive heart. One more heart to go. Pour it on. Did I save your life for nothing? Your grenades now burn the area where they land. Okay. Go time. Fire in the hole. Hey, j'ai eu avec ma grenade. Il est où ce bâtard? Ouais, ouais, ok, il m'a piqué mon frère, c'est pas grave. C'est quoi, c'est un joueur aussi ça? Ok. Ok, là ça PVP pas mal là. Là, à mon avis, c'est parce qu'on a dû prendre l'avantage. Voilà, c'est pas trop mal. On a 2-0 apparemment, donc on a dû faire quelque chose. Qui. Voilà, il pique encore mon kill. C'est grave. Need a drop. Pronto. Donc là, en fait, les gens peuvent se servir. Hein. Il y a une trousse de soins. Ouais, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. On the move. Il n'y a pas les tableaux des scores, il n'y a rien. Je sais pas si c'est une bêta, j'ai pas regardé si c'était une bêta ou pas. Tac, allez, ça recommence pour le PVP. Ok, je passe à travers les champignons. Flashbang. Mon cher, ma mère. Fire in the hole. Je suis mort. Je pense qu'on peut. Ah ouais, là, le spawn est vraiment loin. Hein. Je pense qu'on doit être pas loin de la victoire. Victoire, voilà. On est arrivé au premier, j'ai fait 4 kills, j'ai pas ramassé beaucoup d'essence, 900, le premier avait ramassé 14 000. Bon dégâts, ça va, je me suis pas mal débrouillé, mais bon, après j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, donc c'était une petite vidéo sur ce petit jeu, Steam, le premier développé et édité par Amazon. N'oubliez pas qu'au mois de juillet, ils vont faire leur premier MMO
RPG Cruxible, un jeu gratuit sur Steam. Donc vidéo 100% gameplay. Je vous invite à vous abonner, très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, c'est tout ce que je demande. Le reste après c'est bon, faites ce que vous voulez. Allez, Twitch, Twitter, il y a j'ai Instagram, j'ai mais c'est plus voilà, j'y vais pas beaucoup. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo très rapidement. Je vais beaucoup m'intéresser à Valorant et je vais essayer de modifier mon PC pour essayer de faire des vidéos plus souvent sur Call of Duty parce que j'adore ce jeu, enfin j'adore ce nouveau jeu, ce Call of Duty là quoi. Et en fait il est très mal optimisé, mais donc du coup c'est compliqué de faire des vidéos dessus. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bon déconfinement à tous, bisous, banzai.